Bonjour, bonjour, c'est Jenny. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Moi, je vais bien et je suis très heureuse de te retrouver ce matin. Lorsque l'on se perd, il est très difficile de retrouver notre route. Et souvent, on se demande où on est. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que quelqu'un te demande, mais où es-tu, mon enfant? La pensée du jour se trouve dans Genèse 3 au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Oui, où es-tu toi qui es en train de regarder cette vidéo? Chers amis, peut-être qu'aujourd'hui tu te sens perdu, peut-être qu'aujourd'hui tu te sens mal. Sache qu'il y a un être qui te cherche, qui t'appelle et qui t'attend. Il te demande où es-tu? Cet être, c'est notre Père céleste, notre Dieu bien-aimé. Il t'attend, les bras grands ouverts, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse et de patience. Il a envie que tu retrouves ce chemin qui est le chemin de la vie, et il n'a pas envie que tu restes dans ton coin perdu, à pleurer, à chouiner, à te lamenter. Non, l'Éternel t'attend. Les bras grands ouverts, un peu comme nos parents lorsque nous étions perdus et qu'ils nous retrouvaient enfin. Cette sensation, j'ai envie que tu la découvres ou que tu la redécouvres dans les bras de notre papa d'amour. N'oublie pas, si tu es perdu, l'Éternel saura te faire retrouver ton chemin et il t'accompagnera tout au long de celui-ci. Que l'Éternel te bénisse. Je te remercie d'avoir suivi cette pensée du jour. Si tu as aimé la pensée du jour, n'hésite pas à liker et à la partager autour de toi. Si tu as envie d'en savoir plus sur la parole de Dieu, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et nous serons ravis de revenir vers toi. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée du jour.